c'est barré. Pourtant, le gars à sécurité, il a dit que c'était ouvert. Le gars à sécurité, il a dit que c'était ouvert. Allez, où? Tout est lock. Fait que qui c'est qui va? Ça va pas mieux? Non, c'est pas mieux. Non? Tu peux mieux qu'hier, non? Mais je sais pas. Le matin, c'est toujours plus raide, là. Et Joe disait pas que c'était un petit peu mieux hier soir. Hier soir, ça allait bien. J'ai fait mon massage, puis j'étais allé dans le spa, là. Il m'a détendu, puis on m'a fait des massages. Tu étais capable de marcher, pas de béquilles hier, non? Pas vrai? Oui, quand même. Ça allait moins mal que là. Ouais. T'as pas mal, comme hier. Ouais. Ouais, hein, ils sont mal à choc. Je pense que la glace, là. Ça aide pas. Ça aide pas parce que c'est pire. C'est pire. C'est pire. Hein. Après, j'ai mis de la glace, là. Non, pas que ça fait mal. C'est la chaleur, même, on dirait. Ouais. Le petit gars, ouais. On a-tu une clinique? Ouais, ben ils sont partis voir. Là. On va enclencher le plan B, je pense. Ouais. J'ai fait l'espoir le matin, moi, là. Ouais, hein? Bonjour tout le monde, en direct de St. Pete Ecker College, dans la région du sud de Tampa, en Floride. Ben, je vous fais un petit rapport de où ce qu'on en est rendu avec nos trois jours d'entraînement. Un petit peu difficile, deux blessures, notre libéro, Pierre-Alexis Lapointe qui faisait un retour tant attendu, qui malheureusement s'est blessé aux deux pieds. Une blessure un peu insolite, là, probablement causée par un petit training dans le sable, un petit peu trop de marche dans le sable, peut-être une petite game de touch football dans le sable. Bref, il y a les pieds possiblement enflés. Alors, on va aller voir un médecin tout à l'heure, essayer de trouver une médicamentation qui pourrait le soulager un petit peu. Puis, une blessure n'attend pas l'autre. Alors, un de nos joueurs centraux, là, Olivier Bibeau, qui s'est fait une entorse ce matin en retombant sur un pied. Alors, on espère que c'est pas trop sérieux. Ça lui donne quand même deux jours là, d'ici le premier match là, du 2 janvier où on va affronter l'Université de Calgary. Et comme on joue tard le soir à 8 heures, ça nous donne encore un petit peu plus de temps. Mais mis à part ça, ben on a bien travaillé. Il fait beau. Hier, c'était frais, mais aujourd'hui, le soleil est de retour avec un peu de chaleur. Alors, on va pouvoir fêter le jour de l'an avec une petite bière et puis un barbecue à l'extérieur. Et puis, on va tâcher de vous envoyer un petit vidéo pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Alors, à plus!